Salut tout le monde! Aujourd'hui, on va parler de la boîte de nuit. BAM! Alors déjà, avant d'aller en boîte, t'as différents types de personnes. Premièrement, t'as toujours un mec dans ton groupe de potes qui te chope de ouf pour aller en boîte. Et finalement, apparemment, il est claqué. Apparemment, il doit se lever tôt le lendemain. Apparemment, c'est un gros bâtard. Deuxième type de personne, t'as cette personne qui va t'envoyer un SMS tous les samedis soirs pour savoir si t'as pas de la place dans la voiture. Comme si c'était ton meilleur pote. Mais quand ta famille, elle a fait un accident de voiture, qu'elle s'est fait pourchasser par des loups, ensuite attaquée par des ours, et finalement transportée à l'hôpital en hélicoptère qui lui-même s'est crashé, là, il y avait pas de SMS. Culé gros! Ah mais tout de suite t'exagères! Légèrement. Troisièmement, c'est toujours la galère pour savoir qui est-ce qui va rouler. Mais bizarrement, il y a un mec qui roule jamais. Fuck you! Quatrièmement, c'est le meilleur mesdames et messieurs. Je parle bien sûr du radin. C'est le genre de personne qui boit dans la voiture pour pas consommer à l'intérieur. C'est la même personne qui va laisser sa veste dans la voiture pour pas payer les 2 euros de vestiaire. Donc lui, c'est bien l'imbécile qui squatte la file d'attente à moins 20 degrés avec un t-shirt. Et finalement, c'est le gars qui vient avec 10 euros pour la soirée. Sachant que l'entrée coûte 10 euros. Vous l'aurez compris, c'est le mec qui chope tout le monde pour acheter une bouteille mais qui va juste poser son ticket conso. Parlons maintenant des différents types de personnes en boîte de nuit. T'as toujours le mec grave bourré et grave relou. Il va te parler pendant une heure d'un truc, tu t'en bats les couilles, il va te raconter sa vie, tes déprimes, sa tristesse, il va te niquer ta soirée. Je suis persuadé qu'on a tous un pote qui dès qu'il boit, il devient agressif. Moi je suis un fils de pute. J'ai pas du tout dit ça. Comment ça tu me traites de PD? Touche pas, je te nique. Moi je te dis MMA, moi je t'allonge cash. Dans tous les groupes de potes, t'as toujours un mec, dans chaque soirée, il va vomir. Allez. T'as le pote qui dès qu'il est bourré, eh ben il se tape que des moches. C'est même plus des moches hein, C'est toi t'es trop con pour voir qu'elle a un charme. Je veux qu'on m'explique pourquoi en 2016, la génération Joule. Oui mesdames et messieurs, la génération Joule. Pourquoi est-ce qu'il y a encore des mecs qui passent et qui touchent les fesses des meufs en scred? Qu'est-ce que ça vous apporte? Est-ce que ça vous fait bander? Ou bien est-ce que ça vous fait jouir le soir quand vous rentrez? Mais expliquez-moi les mecs. Y'a qui? Y'a quoi? Vous êtes des fous les gars. On peut parler d'autre chose. C'est quoi le délire des mecs qui font tout pour pisser en dehors du trou? C'est-à-dire que toi en fait, si t'as besoin de chier, et bah tu chies pas parce que bah c'est tout mouillé. C'est quoi ton but dans la vie en fait? Explique-nous! Écris dans le commentaire, dis-nous ce que ça t'apporte gros! Bah le but c'est de faire la fontaine. Je crois pas quoi. Allez va. Et t'as aussi deux types de personnes. Celle qui squatte toute sa soirée dans le coin fumeur et celle qui squatte toute la soirée assis sur son téléphone. Encore quand t'es au coin fumeur, tu discutes, tu rencontres des gens. Mais toi qui squatte ton phone assis toute la soirée, pourquoi t'es là? T'as aussi le mec qui se plaint tout le temps à la fin de la soirée parce qu'il a claqué trop d'argent. En même temps, fallait pas choper tout le monde à acheter 3 bouteilles. Et souvent, c'est le radin qui l'aura engrainé pour acheter ces 3 bouteilles. Cet enculé là. Et j'aimerais aussi qu'on m'explique quelque chose. Pourquoi est-ce qu'à la table, il y a toujours une personne qu'on ne connaît pas? Mais tu le connais ni d'Ève ni d'Adam. Le mec, il est là, il est en train de teaser, mais tu le connais pas. Et il te regarde en mode normal. Mais je crois que je préfère encore plus cette personne que les meufs qui viennent pour gratter des verres. Bonne demi-jetonneuse. Et pourquoi, quand t'essayes de pécho une meuf en boîte, c'est toujours sa pote la grosse qui casse les couilles? Mais c'est toujours elle. Mais ferme ta gueule, gros. Enfin, reste chez toi. Mange un kebab, je sais pas, mais laisse-nous tranquille. Moi, il y a une personne que j'adore, c'est le mec qui m'a marché dans la boîte. Toute la soirée, il va faire le tour et toute la soirée, il va dire Je repère. T'as cru que t'étais à la chasse ou quoi? Faut que je vous parle d'un truc. Vous connaissez le symptôme de la boîte de nuit? Oui, le symptôme de la boîte de nuit. Tu connais le symptôme de la boîte de nuit? T'as pécho une super belle meuf, mais plus tu dessoules et plus elle devient moche. C'est bizarre quand même comme symptôme. Et parlons du DJ. Pourquoi quand on lui demande de mettre une zik, eh ben il s'en bat les couilles? C'est pour ça, moi maintenant, que je demande toujours au DJ de faire une annonce d'anniversaire. Alors qu'il n'y a pas d'anniversaire. Et maintenant, parlons de la fin de la soirée. Pourquoi quand il est 4h30 du matin, que toi t'es claqué de ouf, que tu dois encore rouler et supporter tes potes bourrés, t'en as toujours un, il fait tout pour pas qu'on le rattrape. Il joue à cache-cache à 4h30 du matin dans une boîte de nuit. Ça fait des gros teubés, mais des vrais secs pattes. Je fais un gros fuck. Et même plus précisément, j'encule le mec qui vomit à chaque fois dans la voiture. Ah, et j'allais oublier, je souhaite bonne nuit au gros bourré qui s'endort toujours en boîte de nuit. POUM. Oh, c'est pas fini. Abonne-toi à ma chaîne. Si tu veux voir d'autres vidéos, n'hésite pas à cliquer sur les vidéos. N'hésite pas à partager, à commenter pour me dire ce que t'as aimé, ce que t'as pas aimé. Et lâche un petit pouce bleu. Merci, à la prochaine. Ciao.